Bonjour et bienvenue sur LTV, la chaîne du lycée professionnel Paul Langevin. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Marie Vienne, la nouvelle présentatrice officielle pour l'année 2014, 2015 et 2016. Alors Marie, que pensez-vous de cette nouvelle nomination ? Cette nomination, j'en suis heureuse d'être sélectionnée pour être présentatrice de LTV, donc 2014, 2015 et 2016. C'est un honneur, je me ferai un plaisir d'être votre speakerine l'année prochaine. Est-ce que vous appréhendez cette nouvelle fonction ? Cette nouvelle fonction, pas trop d'appréhension, je me débrouille pas mal dans la chat, donc je pense ne pas avoir trop de soucis. En tout cas, je suis particulièrement fière de vous recevoir sur notre plateau pour cette grande première. Et je vais d'ailleurs tout de suite vous mettre dans les conditions du JT en vous demandant d'animer sans filet l'actualité de ce jour. Je vous laisse aux commandes et vous souhaite la bienvenue dans notre équipe. Voici les fiches, c'est à vous Marie. Bonjour et bienvenue sur LTV, nous sommes le vendredi 11 avril, voyons ensemble l'actualité de ce jour. Depuis ce matin, la pluie ne cesse de tomber sur notre île, mais cela n'a aucunement altéré le moral de nos étudiants de terminale à l'approche des examens. Bien au contraire, un cortège de parapluies s'est formé dès 8h30 pour recevoir des élèves du collège de Bassin à l'occasion de la journée Porte ouverte 2014. Des nouvelles orientations. 350 marmailles se sont donné rendez-vous pour aller à la pêche aux informations sur les différentes et nombreuses filières dispensées dans notre lycée. Je vous propose de les rejoindre sur place dans le cadre d'une petite visite guidée. Il y avait aussi une table de jardin avec. C'est beaucoup de travail d'élèves uniquement. Nous, on est là, on leur montre comment on se sert via les machines. On leur explique la marche à suivre. Et c'est pour moi, pour ma part, c'est mes élèves qui font le boulot. Et moi, je supervise. D'accord ? Ici, ça fait un pointon, ça va nous servir à faire tous les usinages, tous les passages pour les assemblages de vis, pour, comme celui-ci, pour le poinçon de jalousie. Ça va nous permettre de faire la fabrication d'un petit ensemble qui est sur la table là-bas, la jalousie, donc plus connu sous le nom un peu de naco au niveau des créoles. Et après, ensuite, ici, on a les poinçons pour coulissant et les poinçons pour les frappes. Les coulissants, c'est tout ce qui va être dévitré. Donc là, vous avez des ouvrants qui sont déjà assemblés, qui sont stockés pour que les clients viennent les chercher. Et après, tout ce qui est poinçon, frappe, pour fabriquer une porte. Bonjour. Venez approcher, présenter le système électronique et industriel. Sur votre programme, vous avez l'adresse IP et vous pouvez commander l'SPS 400. C'est une maquette de station de pompage d'eau réelle et il faut toujours regarder les choses. Puis il descend, pompé par la pompe 1 et ça va dans le bassin de reprise. Là, il rentre. J'adore le lycée, elle est bien fait. Ah oui, elle est trop bien fait avec tout ça. Un bac pro ou bien aller au lycée général pour faire aide-soignant. Kim Mémoté. On est là avec Madame Doron, notre propre préférée. Je veux dire. Hier de mes élèves.
Comment ? Bien travaillé ? Très bien travaillé, comme d'habitude, la confiance était là. Alors que ce soit les premières GA1, comme les secondes GA2, et les 1 GA2 que je remercie énormément, ainsi que Madame Painama, M. Gilarda et M. Varro, ici présent. Au revoir, M. Varro. Merci beaucoup. Merci. Oui. Non, pourquoi? Parce que la partie en moi. Ah bon? Elle n'est pas intéressée pour ce collège. Ce lycée. Oui, ce lycée. Qu'est-ce que tu veux faire? Après, c'est moi. Vous êtes quelle classe? Le troisième. Le troisième? Lycée. Collège à Marine Vincent II. Collège à Marine Vincent II. Pourquoi on ne comprend pas quand on est en cours? Et est-ce qu'il y a des sections qui vous ont intéressé? Oui. Quoi par exemple? Comment tu t'appelles? Gabrielle. Alors Gabrielle. Sois pas timide. Ouais, que pas, à peu près toutes les filles, enfin, elles m'aiment bien. Il y a un métier qui te plairait là-dedans? Que pas encore. La vente. La vente. Mais pourquoi on foutait que nous soufflez l'enfant? Bah oui, la vente. Non, moi c'est le truc de pente là. L'aluminium. La journée s'est soldée comme à l'accoutumée par un buffet confectionné par nos équipes de cuisiniers afin de remercier l'ensemble de la communauté du lycée Paul Langevin. Les saveurs pays étant à l'honneur, samoussa, bonbon piment, bouchon, friand au palmiste, petits gâteaux et boissons à volonté. Mais avant de festoyer, le discours du proviseur. Allez, un peu de patience, ça ne sera pas long. Pas plus. Je sais que vous êtes tous dans les starting blocks. Mais avant de lancer le signal de départ, je voudrais tous, quand je dis tous, c'est aussi au féminin, toutes et tous, vous remercier pour cette matinée, j'ai envie de dire cette journée, puisqu'on continue jusque là, après-midi, en se retrouvant. Je voudrais vous remercier parce que c'est un temps très fort, très important pour l'établissement et encore plus important cette année que les autres années. Quoi qu'il en soit, c'est grâce à vous, les élèves bien évidemment, puisque c'est vous qui allez passer le relais aux autres qui ne connaissent pas cet établissement. C'est vous qui en faites la réputation. Mais je veux y associer aussi l'ensemble des personnels. Je pense à toutes celles et ceux qui sont mobilisés pour préparer ce petit cocktail, qui est un gros cocktail en réalité. Je voulais vraiment les remercier. Et puis toutes celles et ceux qui au quotidien, je dis bien au quotidien, eh bien vous accueillent pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Donc je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année et pour ceux qui passent les examens, toute la réussite possible. Ça y est, c'est parti! TV, Mélissa et moi-même vous remercions pour votre fidélité et vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel événement au lycée Paul Langevin. Bonne fin de journée et à bientôt!